Salut les petits potons. C'est le Daron d'Aquitaine. S'il y a une ouverture de pêche ou quoi en ce moment, mais ça fait au moins 3 ou 4e bateau que je vois ce matin. En tout cas, les mecs, ils vont passer une bonne journée. Alors, les petits poteaux, déjà, j'espère que le déconfinement s'est bien passé pour vous. J'espère pour vous que vous avez pu reprendre un petit peu la moto et peut-être pas aller faire des balades, mais au moins aller bosser. Alors moi, je vais vous expliquer, ça s'est absolument pas passé comme prévu. Moi, chez moi, on était en vigilance rouge, orage, inondation. Alors, vous savez que moi, je suis sur 2 départements, j'habite dans les Landes et je travaille sur la Gironde. Et donc hier, donc là, aujourd'hui, aujourd'hui on est mardi 12, donc hier lundi 11, jour de déconfinement. Donc moi, comme d'habitude, hein, le matin je fais mes courses et puis l'après-midi je vaque à mes occupations. Donc hier matin, enfin depuis dimanche, ça arrêtait pas de pleuvoir, mais comme jamais j'ai vu, orage sur orage, des trompes d'eau, truc de fou. Donc je me dis, bah écoute, je sors pas la voiture, puisque le lundi je fais mes courses avec la voiture parce que je peux pas charger suffisamment la moto, j'ai trop de courses à faire. Là, depuis le déconfinement, vous savez que moi je fais mes courses professionnelles, c'est-à-dire j'achète tous mes produits d'entretien, un petit peu de base de bouffe, mais en général je fais un drive et je vais les chercher avec la voiture de ma femme. Donc là je vais sur le site. Le site du drive, alors ça fait depuis le confinement, j'avais arrêté parce que le drive prenait trop de temps. En fait, il y avait chez moi, il y avait 3 semaines de délai. Donc bah, je prenais la petite voiture, hein, je prenais mon caddie, puis j'allais acheter ce que j'avais besoin, ou alors je me dépannais au boulot. J'ai un petit Carrefour City à côté, je me dépannais un petit peu tous les jours de ce que j'avais besoin, et puis j'ai tenu comme ça. Et puis là, là j'ai dit, bon bah on va prendre le caddie, hein, et puis on va refaire les grosses courses. Hein. Enfin, le caddie, on va reprendre le...
prendre les habitudes puisque ça déconfine. Donc je prends mon petit ordi, je prends ma petite carte bleue, je fais mes courses machin, puis au moment de payer, bah ça passait pas. Donc j'avais un peu plus que d'habitude, alors je sais pas si c'était bloqué une certaine somme, quoi, bon enfin bref, je pète un câble sur mon ordi. Je gueule tout seul comme un vieux con comme d'habitude. Et puis je dis bah tant pis, hein, je prends mon je prends la voiture de ma chérie, et puis je prends mon caddie, et puis je vais faire mes courses. Hein. Donc j'y vais et puis bon bah voilà, supermarché. Où je fais mes courses d'habitude comme d'habitude, hein. La majorité de gens pas de masque, pas de confinement, les gens s'en branlent, se font de la gueule, discutent entre eux, pas de distance, enfin voilà, cata quoi. Donc vous savez que moi en général quand c'est ça, bah je fais mon... Ouais, vous voyez, c'est la piscine de chaque côté, là je fais un petit aparté, je vais vous expliquer. Donc je fais mes petites courses et puis vu le temps de merde, parce qu'en général moi vous savez, je rentre à la maison, je pose la voiture au garage et je reprends la moto et je vais finir mes courses. Ouais, parce que la voiture ça va 5 minutes quoi. Mais vu le temps pourri, on avait cet orage, c'était des trompes d'eau. J'ai dit, bon, je vais pas quand même risquer de prendre la moto et de me foutre tout là. Parce que je devais monter à la boutique pour bricoler un petit peu. J'avais des étagères à poser. Donc, bah, je garde la voiture, je monte au boulot pour poser, bah, vider les courses et puis bricoler. Et puis sur la route, alors vous savez, en voiture, moi je. T'as me faire doubler par un kangou. Allô, quoi. Il va me faire chier. Ouais. C'est gentil Tintin, mais si c'est pour me doubler, me rester devant le pif, ça va pas le faire. Donc bref, je prends la voiture, donc je monte au boulot, et là je vous dis pas la cata, c'était inondé de partout, les routes étaient bloquées, il a fallu que je passe des guets, enfin... Puis vous savez, moi je filme pas en voiture, hein. Ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt. Déjà, ça me fait chier de prendre la voiture. Donc, bah, route bloquée, demi-tour. Si vous regardez un peu la carte, moi je peux passer de chez moi. Soit je vais par le Pila et je coupe, je reviens par Arcachon, soit je prends ma route de normale par ici, la Sanguinet, ou alors. Ou alors, faut que je passe par Mio, c'est que je reprenne l'autoroute. Enfin, j'ai trois axes possibles. Et hier, les trois axes bloqués, fermés, inondés. Enfin, la grosse merde, quoi. Hein. Donc, j'irai quand même réussi à passer. Et donc, hier soir, on était censé. Bah, déconfinement oblige, j'avais mes deux garçons qui venaient manger avec leur copine à la maison. C'était préparé. Enfin, c'était prévu une petite. Une petite soirée pizza, histoire de se revoir un peu quand même. Hein. Donc on avait fait les choses en règle, hein, lavage de main, distance, on était chacun au bout de la table. Hein. Sauf qu'il a fallu qu'ils... Bah, eux, ils habitent sur le bassin, donc à une demi-heure de route de la maison. Bon, le petit habite encore un peu à la maison, mais bon, voilà, il est un peu chez sa copine aussi. Et donc ils ont mis une heure et demie pour venir, parce que bah, les routes étaient bloquées, inondées, enfin la merde, quoi. Moi je les avais appelés pour leur dire, bah écoutez, vu comment ça pleut, vu comment les routes sont, c'est la merde et vous allez vous faire chier sur la route et c'est un peu dangereux quand même, restez à la maison, puis on reporte ça, on n'est pas une semaine près, on s'en fout. Bon, ils ont voulu venir, bah ils sont venus et ils sont arrivés à la bourre, quoi. Hein. Donc voilà les potos, ça a été une belle journée de grosse merde de déconfinement. À croire que la nature voulait pas que l'homme se déconfine, la nature était bien tranquille toute seule. Donc ce matin, je suis parti un petit peu plus tard que prévu parce que je voulais partir au jour parce qu'a priori, la route que je prends d'habitude, bah, vu l'état dans lequel elle était hier, elle doit être fermée encore ce matin, je pense. Donc il va falloir que je passe par ailleurs. Donc voilà les potos, je crois que ça a été la deuxième fois de l'année où je prends pas la moto pour aller au boulot. La première fois c'était aussi un lundi, je devais aussi aller bricoler à la boutique et il a neigé. Alors chez moi il neige pas, hein. On sait pas ce que c'est nous ici. Hein. Il neige deux heures par an histoire de prendre la photo et encore des fois t'as pas le temps de sortir l'appareil que la neige elle est fondue. Hein. Chez moi dans les Landes ça s'est plutôt un peu calmé mais côté Gironde c'était bien la merde donc on va voir.
Et puis je peux vous dire que là les crasts, hier sur la route, les crasts c'est les fossés qu'on a sur les côtés nous. Parce que dans les Landes c'est des forêts usagères, donc tous les fossés sont bien entretenus pour que l'eau s'écoule. Bah, je peux dire que les crasts et la route étaient à la même hauteur et vous aviez l'impression de rouler sur un lac. Hein. Ça faisait vraiment. J'ai jamais connu ça. Hein. J'ai connu des inondations et des routes mouillées, mais à ce point-là, j'ai jamais connu. Hein. D'après les infos, il est tombé un mois de pluie en deux jours. Hein. Donc vraiment un truc de ouf quoi. Donc on va voir les petits poteaux. Allez. Je finis de vous raconter mon histoire. Enfin, j'ai fini de vous raconter mon histoire. S'il y a encore des merdes sur la route, bah, je vous les filmerai parce que, bah, faut pas déconner non plus. Je vais pas faire deux jours en voiture non plus. Hein. Allez, je vous dis à plus. Donc a priori ça passe pas. Alors route barrée à droite. Et route barrée là-bas. Bon bah écoutez, on repart de l'autre côté. Hein. Regardez un petit peu les parkings là, vous voyez. Bon bah route barrée, on passe par l'autre côté, on passe par Mios. Voilà, faut faire attention parce qu'il y a le petit radar pas loin là. Il roule sans lumière, tout va bien. Voilà, je sais pas si vous le verrez à l'image, les poteaux, mais... On a deux sur les côtés là, à la fois vous avez les crasts et vous avez les pare-feux. Les pare-feux, vous voyez, c'est la grande distance qu'on a entre la route et la forêt. Et en plus les poteaux, on est en période de 5 glaces. Alors je crois que c'était ça devait être je sais pas si c'était lundi, mardi, mercredi ou enfin bref, on est, je crois qu'il y a 3 jours comme ça, parce que là ce matin, vous voyez, il fait pas chaud, il fait 9 degrés. Hein. C'est pour ça que j'ai remis la doublure, parce que je l'ai senti venir. Vous voyez, sur les côtés, là, on dirait que c'est une rivière, là. Des passages où vous voyez la crasse là elle est gavée encore et il y a encore des passages où c'est inondé. Normalement dans les virages là-bas il y en a encore aussi. Donc on va rester prudent. Les annonces route barrée, hier la route était inondée un peu plus loin là. En rentrant ils étaient en train de mettre les plots donc j'ai pu passer, mais je crois qu'ils n'en font je crois qu'ils vont encore nous faire un détour.
priori ça passe. Non, ça va. Vous voyez, regardez le côté, là, les trottoirs, là, vous voyez. Là, à mon avis, les maisons derrière, ils sont inondés. Hein. Ah ouais, les maisons, ils ont les pieds dans l'eau, là. Putain. Et ici, hier, là, ici, on passait pas, là. Le garage, il était inondé, là. Ça a vraiment été une grosse période de merde, hein. Putain. Là, ça va, je pense que c'est pas mal. Je pense que ce soir, on va pouvoir reprendre la route normale. À moins qu'il la garde fermée, mais... Allez, là, l'entrée de l'autoroute direction Bordeaux, elle est fermée. Je pense qu'en bas doit être inondé. J'espère que l'entrée de l'autre côté est ouverte. Parce qu'hier, quand je suis sorti, vous voyez, j'ai quitté le Tech pour passer par Mios. Donc je suis sorti là. Et là, hier, ils y commençaient à mettre les plots. Hein. Donc si l'entrée de l'autre côté elle est fermée, bah, faut que je refasse le tour encore. Hein. Ah, lui, il est passé carrément, lui. Non, mais allô, quoi. Les mecs, ils sont cons. Hein. Non, ça va, l'autoroute est ouverte. Merde. Plus je loupe la route. Ah là là. Ah ouais, parce que moi en général je passe jamais par ici, moi je prends jamais cette rocade. Tellement l'habitude de faire le rond-point, le tour du rond-point de l'autre côté et de reprendre ma rocade d'habitude. Les poteaux. Bon voilà les poteaux, donc on est passé par Mios, vous avez vu la route était ouverte hein, à part le pont de l'autoroute, mais je pense plus que c'était parce que la DDE s'est pas levée trop tôt ce matin pour déborner. Les routes sont rouvertes hein, à part ma route de d'habitude là à Sanguinay. Mais vous avez vu que les bas-côtés, les crasses et tout ça, c'est quand même gavé de flotte. Hein. Je vais vous faire voir en bas du rond-point, à mon avis, c'est encore sous l'eau là. Vous voyez là, c'est encore gavé de flotte. Regardez encore la hauteur des crasses là, vous hein, voyez. Hier, ça, ça léchait la route. Hein. On voyait plus l'herbe sur le côté, là. En tout cas, ça fait putain du bien de reprendre la moto. Oh non, ça y est, l'eau est partie. Vous voyez, hier, regardez les poteaux, là. Regardez la maison, là, vous voyez. Elle a encore les pieds dans l'eau. Et là, hier, ici, c'était inondé, là. Et là, ça va, ça passe. Voilà les poteaux, on arrive au boulot sans encombre. Je vous souhaite à tous une bonne journée et encore plus que d'habitude, soyez prudents sur la route. Hein. Allez, salut les petits poteaux et soyez prudents sur la route.